control. Yo, salut les gens, c'est Goliath. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau gameplay, une nouvelle vidéo sur Goliath 3G, sur Goliath Gaming. Aujourd'hui, les gars, tout nouveau gameplay sur du The Crew, deuxième vidéo sur The Crew, première vidéo sur trucs et astuces, qui va être l'une des vidéos les plus importantes, je pense, de ma série The Crew sur le mois de janvier, en tout cas. Donc voilà, quelle est cette vidéo? C'est très simple, c'est une vidéo trucs et astuces afin de vous montrer quelles sont les différentes façons, les différentes manières afin d'obtenir le plus rapidement possible vos XP et afin d'atteindre le level max le plus rapidement possible, donc le level 50. Alors vous avez différentes phases, il y en a 4 donc pour obtenir le plus rapidement possible des XP. La première phase, c'est tout simplement de réaliser les missions scénario du jeu. Donc à partir du moment que vous commencez dans le jeu, donc vous avez le level 1. Du level 1 au level 10, je vais tout simplement vous demander de réaliser les missions, donc de scénario. Donc c'est le mode campagne du jeu. Vous insérez votre CD dans votre PlayStation et c'est clair et net que quand on insère un nouveau CD dans la PlayStation, on a toujours envie de vite, après la mise à jour forcément, d'y jouer. On fait directement le mode campagne, on va commencer à se familiariser dans l'environnement, à se familiariser avec le jeu, avec les touches. Donc voilà, c'est très simple, on fait les missions tout simplement. La deuxième phase, une fois que vous avez obtenu le level 10 dans ce jeu, je vais vous demander de réaliser des défis. Donc il y a différents défis dans The Crew, où il y a des défis qui vous demandent de sauter le plus loin possible dans une zone bien spécifique. Vous avez des défis de précision comme il était ici actuellement à l'écran. Vous avez des défis de course, de rapidité. Donc voilà, toute une multitude de défis. Et le défi sur lequel vous obtenez le plus d'XP, c'est celui-ci. C'est le défi numéro 30 qui se situe dans la ville de New York. C'est un défi numéro 30 de précision et qui dure le moins de temps possible. Donc voilà, c'est un défi qui est assez pas mal à farmer pour obtenir le plus rapidement possible ses XP et atteindre le level 20. Arrivé au level 20, je vais vous demander du level 20 au level 25 de nouveau réaliser quelques missions de scénario afin de débloquer tout l'état du Midwest. Une fois que l'état du Midwest sera totalement terminé, vous allez pouvoir tout simplement débloquer la côte est du jeu The Crew. Une fois que la côte est débloquée, c'est simple, le mode JCJ est débloqué. Alors qu'est-ce qu'un mode JCJ? Eh bien, c'est très simple. Le mode JCJ, c'est un mode joueur contre joueur. C'est le mode multijoueur de The Crew, tout simplement. Là, vous allez jouer contre des mecs tout comme vous qui adorent jouer aux jeux de bagnole. Et c'est un mode de jeu qui est très 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 important de The Crew, tout simplement parce que c'est le mode de jeu qui va vous reporter non seulement le plus de bucks. Qu'est-ce que c'est qu'un bucks? C'est ce qui équivaut un petit peu au dollar de The Crew. Donc autant vous dire que vous allez devoir avoir beaucoup de bucks afin d'acheter les voitures les plus chères, donc les plus coûteuses. Les voitures les plus coûteuses, c'est forcément les voitures les plus puissantes, les plus rapides de ce jeu. Et autant vous dire que plus vous allez avancer dans ce jeu, plus on va vous demander des voitures de plus en plus puissantes pour arriver à vos fins, qui est donc de remporter les courses les plus compliquées, les plus difficiles. Donc voilà, tout simplement. Alors le mode JCJ vous permet également d'obtenir le plus grand nombre d'XP possible. Donc c'est vraiment des courses super intéressantes que vous allez devoir farmer un maximum. C'est vrai que moi, à partir du level 25 jusqu'au level 50, je n'ai pas arrêté une seule seconde de farmer encore le mode JCJ, que ce soit en mode solo ou accompagné d'un pote. C'est vrai que si vous êtes accompagné d'un ou de plusieurs portes, c'est toujours de plusieurs portes, magnifique ma phrase en français. Si vous êtes accompagné de plusieurs potes, serait plus juste, c'est toujours beaucoup plus agréable parce que c'est clair et net que si vous avez un ou plusieurs potes, il va disons que vos compagnons de jeu vont vous aider à un peu stopper les adversaires qui se situent dans la même game que vous. Et ça, c'est toujours agréable, c'est toujours un peu on va dire, c'est anti-sportif comme je vais le dire, mais c'est clair et net que voilà, imaginez-vous bien, vous filez dans la course, vos potes sont en train de freiner un maximum les adversaires présents dans la même game que vous, et ça en fait rager plus d'un, ça je tiens à vous le dire. Mais voilà, c'est une technique comme une autre que vous pouvez utiliser afin d'être premier de la course et d'obtenir
obtenir le plus grand nombre d'XP. Donc voilà, c'était Goliath, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Vous inquiétez pas, il y en aura plein d'autres qui vont arriver prochainement, hein, je vous ai dit, hein, donc tout le mois de janvier, il va être exclusivement sur The Crew. C'est vraiment un jeu que je prends cœur à participer, à jouer, même si l'année passée, j'ai déjà eu la possibilité d'y jouer durant un an. C'est vrai que je n'avais pas eu la capacité de vous montrer carrément des vidéos. J'avais pas le temps, j'avais ni l'envie non plus, et c'est clair et net qu'ici j'ai vraiment une envie folle de vous présenter plein de vidéos sur The Crew, trucs et astuces. Je pense que ça peut être pas mal, il y a plein de missions, plein de défis, plein de hauts faits, donc bref, plein de choses à faire sur ce jeu super super épanouissant, super positif. Donc voilà. N'oubliez pas, commentez un maximum les vidéos, n'hésitez pas à dire un petit peu en commentaire ce que vous pensez de ce thème-là, de ce projet du mois de janvier. Si vous aussi vous jouez sur The Crew, n'oubliez pas, n'hésitez pas à m'ajouter en ami sur mon compte Goliath 3G, donc n'hésitez pas à regarder mon gamer tag sur la vidéo actuellement. Donc voilà, c'était Goliath sur 3 pour une prochaine vidéo. Salut les gens, bye bye.